Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne T'as vu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez peut-être deviné parce qu'il fait noir et que je suis en dessous de mon lampadaire devant chez mes parents. On se retrouve pour un petit road trip avec Alexis. Cette fois-ci, on va retourner en Allemagne, au Bled, en Bade-Wurtemberg, n'est-ce pas? J'ai pas dormi de la nuit. Alexis a un peu dormi apparemment, moi pas du tout. Et ben donc voilà, je l'attends et puis on vous montrera tout ça tout de suite. Allez, salut! Alors je vous reprends, ça fait à peine 30 secondes que j'ai fait l'autre vidéo. Donc là, bah écoutez, il n'y a qu'une seule voiture à cette heure-ci, je pense que c'est lui. Hein. Il y a moyen. Et Mathès, tes couilles. C'est combien la pipe? Trop cher pour toi. Bon bah allez, hein, on vous reprend. Salut les gens, alors bah du coup on est arrivé à la deuxième étape, c'est Schwäbisch Hall. On est devant la cathédrale j'imagine, avec une horloge astronomique j'imagine aussi, sur la façade. On est sur la place principale, j'imagine aussi, la troisième fois que j'imagine des trucs. J'imagine Alexis en train de me pomper le dard aussi. Et du coup, et bah, c'est pas dégueulasse du tout. Donc on va prendre quelques petites vidéos, il y a des fontaines, il y a des vieux bâtiments, là il y a l'hôtel de ville juste derrière, pas mal de trucs à voir. Donc bah du coup, on va vous montrer tout ça avec plein de vidéos. Allez, salut!
Nice. Bon bah, voilà hein. Voilà. Allez, on continue. Allez là. Allez là. Et bonsoir. Il est 17h, la nuit commence à tomber gentiment mais sûrement. On a les petites loupiottes. Notre cher ami Tom est parti pisser. On vient d'arriver, ça s'est écrit à l'écran juste avant, à Triberg pour aller voir une cascade. En fait, ça dit qu'elle est à 5 minutes et on est garé sur un parking plein de neige. De la voiture. Toc, la voiture elle est là. Et puis Tom il est... Hop, coucou. On vient d'arriver à l'étape suivante, après les cascades de Triber. Oui, j'ai failli me vautrer à l'instant. Ça a été laborieux. Hein. Ah, ça a été très compliqué. La route enneigée, et puis forcément, la voiture pas forcément faite pour non plus, quoi. On s'en est sorti, mais on y va tranquillou, pépère. Petite frayeur quand même, hein. Hein, on va pas se mentir. Chiculotte. Hein. Du coup, on va aller voir... La source du Danube. Yes. À toutes. Mesdames et messieurs, c'est-à-dire que ce que vous voyez juste là, que Tom vous éclaire d'en face, parce qu'il est en face de moi là, ça, c'est la source du Danube. Le Danube, c'est le plus gros et le plus long fleuve d'Europe. Voilà. Comment vous dire la frustration? Ah, il y a un monsieur. Là, là. Non, là, au-dessus de la source. C'est un monsieur. Je pensais que c'était ça que... Comment vous dire la frustration que c'est? Alors c'est bien, hein, c'est mignon quoi, tu te dis ça démarre de là. Alors par contre, on va pas se mentir, Tom et moi qui kiffons bien fort la neige, à pied, on kiffe bien notre race là, on est bien. Hein. Il fait un peu frais, il fait moins 2, moins 3 là, mais on kiffe. Donc en ressenti, moins 5 minimum. Ouais, c'est ça. Bon, et écoutez, on va vous laisser là-dessus. Pour le coup, il n'y aura pas eu de plan cinématique musique. Tchuss, hein, parce que là, on va refaire caca dans nos slibards pour retourner à la civilisation. Et on va aller manger. On va chercher si on peut grailler quelque part, genre une petite schnitzel au hasard. Si on peut pas, j'ai les sandwichs. Si on peut, schnitzel. S'ils sont ouverts, on va y aller. Et puis... Oui, j'ai attaché mes cheveux. Alors, après moult péripéties, on est claqué, on est mort. On n'en peut plus. On a décidé de se poser pour grailler, parce que franchement, manger du chaud. Et donc, comme on est au bled, c'est petite schnitzel, hein. Petite bière légère, histoire de nous endormir un peu. Et en fait, on va pioncer devant. Ils le savent pas. On va faire des gros sauvages. Ouais. Et écoutez, bon appétit, hein, parce que j'ai faim. Salut les enfants, on est déjà habillés. En fait, on va pas tarder à y aller, puisque l'étape, elle est juste devant nous.
voici avec Tom à la dernière destination de ce road trip en bas de Württemberg. Nous sommes à Schauenburg, c'est ça? C'est ça. On est à grosso merdo 20 km de Strasbourg. Toc, on a garé la voiture là et tac, Schauenburg. Allez, on vous fait des images. Ben les enfants, nous voici sur la route, quasiment arrivés à Reims. Voilà, bah écoutez, nous on est claqués. On est morts psychologiquement et physiquement. Bah écoutez, c'était quand même super cool, même si c'était claquant et qu'on a eu une expérience pas terrible hier soir. Bon bah sinon voilà, on arrive et puis c'est tout. Hein. Voici la fin de la vidéo et puis bah on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo une prochaine fois. Et pas avec cette voiture là. Il y en aura une nouvelle, peut-être. C'est sûr. Peut-être. C'est sûr, elle arrive dans 15 jours. Si elle est pas cassée en sortant du garage, il y en aura peut-être une. Ah, ta gueule. Ne tente pas la bosse. Voilà. Allez, salut, tchuss.